C'est parti mon kiki, c'est bon. Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediff du live de du Note Soberry. Pardon, je suis déjà dans mes trucs, donc on va se mettre à fond. Déjà toi tu pues, tu vas te laver meuf, tu vas pas commencer à casser les pieds. Hein. Nous sommes samedi, 4h du matin, et t'as déjà fini de dormir. Aujourd'hui, priorité, mini. Qu'est-ce qu'il a lui? Quelqu'un de proche. Oh bah, casse-burne aussi, non? Tu dois aussi pisser? Tu vas pisser là. Priorité que Mini soit au même niveau que ses sœurs en fitness. Hein. On est à 3,60. On doit être à 5,25. Elle se perd, elle a continué de gagner. Elle est à 5,25. Nuage, elle est à combien? 5,20. Oh punaise. C'est vrai, j'avais laissé 5% d'écart. On va essayer de la mettre au taquet. Pour qu'elle puisse, puisse faire la compète aujourd'hui et de voir qui sera notre petite héritière pour la génération grise. Donc, il y a du taf. Mais... Ah, c'est parce que je suis pas à fond dans mon casque. Et dites-moi si vous, le son, ça passe pour le jeu. Est-ce que vous l'entendez bien? Parce que moi, j'ai l'impression d'être sourde. Ça se passe très bien, sauf quand je joue au Sim, j'ai l'impression de plus rien entendre. Là, on entend bien les cris, là, les pleurs. Donc normalement vous devez bien l'entendre. L'élongation n'est plus... Ah oui! Non elle a juste faim. Non mais c'était un bug en fait. Hein. Donc si elle reprend une élongation, ouais, je me supprimerai ça. Parce qu'à un moment donné, c'est chiant quoi. Ça me fait drôle de voir la génération grise dans ses débuts. Je suis déjà la génération prune dans, dans mon autre... Ah bah oui hein! Chacun son tour! Mais tu pues Pulcote, va te laver au lieu de lire un livre là. En plus tu lis dans la chambre de ta fille, c'est un peu bizarre. Mais tu veux pas faire crac-crac avec Pulcote comme ça, ça va lui remonter son divertissement. Donc, bah il est tôt encore, mais ah mais attendez, on va la lever. Tu vas aller au pipi, tu vas aller manger. Il n'y a pas d'heure pour commencer à se mettre en jambes, hein, évidemment, pour faire du sport. Oui, tu vas manger après rien, tu vas manger des burgers. Elle est trop belle, Mini. Ben oui, mais vous avez choisi la compète sportive. Donc, majoritairement, évidemment. Pas tout le monde, mais majoritairement. Sinon, j'avoue que... moi, j'aurais plutôt voté pour elle. Hein. Pour moi, c'est la plus jolie des trois. Mais... Remarie. Charlie bloque la porte de la salle de sport pour pas que ses sœurs fassent du sport. J'avoue. Attendez. Après, elles peuvent très bien faire des trucs et tout, hein. Tout le monde sauf Mini, voilà. Mais après, elles peuvent très bien faire des étirements et tout, et ça va leur faire monter le truc. Menina Fouine. Salut Killer LOL, comment tu vas? Je t'avais dit que ça serait la plus belle. T'en savais rien du tout quand même, hein. Bon, j'ai bien fait d'aller jusqu'à 3 gamins quand même. Non, après, elles sont pas moches du tout, les autres, hein. Attention, hein, mais... ma petite référence, quand même, Mini, c'est quand même la plus jolie. Mais elle va devenir jeune adulte. Je suis sûre que... Oh, punaise, elle clignote, en plus. Oh, et elle pète. Grosse dégueu, va. Parce qu'elles sont belles, toutes les trois, hein, mais elles ont toutes un visage différent, quoi. Bon, toi, tu vas... Voilà, tu vas faire ta vie. Tu finis de bouffer ? Pas que ça à faire, hein, t'as du sport à aller faire, là. Tu vas faire une course d'endurance et t'iras à soulever. Voilà. Qu'on fasse quelque chose de toi, parce que... Nous, on veut savoir laquelle des trois va enfanter la génération prune. Hein. Laquelle des trois va devoir faire... 1428 de chèque de pension de retraite. Je sais même plus c'est quoi le boulot qu'on doit lui faire prendre. Je sais plus. Ah si, je crois que c'est athlète. Attendez, je vais aller voir les règles. J'ai déjà oublié. C'est rame, ça rame, ça rame. Gris. Aspiration, bodybuilder, carrière athlète. C'est ça. C'est très très ça. Un métis comme prénom pour la génération prune, c'est stylé. Oui, je sais, tout le monde me le dit. Je pense qu'on va le mettre direct. Hein. Mais après, ça peut être des garçons, hein, on sait pas. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que c'est le Note Soberry. C'est le challenge Note Soberry.
Donc nous avons des générations qui ont des contraintes. Comme lui, c'est l'héritier qui a eu avant. C'est un garçon, fils unique de la génération jaune. C'est pour ça qu'il a un beau cardigan bien pétant. Il avait les cheveux jaunes avant, mais là il est vieux. Ses enfants, ses trois filles. Oh, elle a l'air ravie. Hein. Elle me fait penser à toi, Marie. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'elle râle. Ses filles sont de la génération grise et elles ont chacune aussi un objectif. Voilà, bon, elles ont les mêmes traits de caractère parce que c'est comme ça, ils sont imposés. Et elles ont des objectifs à remplir chacune. Et là, normalement, aujourd'hui, on doit définir qui sera l'héritière de la génération, donc qui fera des bébés. Bon, elles en feront toutes, mais je les gérerai pas, tu vois. Sauf que bah, pour l'instant, elle doit se remettre à niveau pour le fitness. Allez, on va augmenter un petit peu. J'espère que ça change pas si elle devient un jeune adulte entre-temps au niveau de la compétition. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je voudrais pas que ça l'avantage dans un certain sens, en fait. Tiens, tu vas aller chanter. Non, tu vas chanter avec ta sœur. Attends, chanter en duo. Pop. Avec nuage. Chanter en duo country avec nuage aussi. Ça, comme elles doivent chanter aussi, perds pas de temps. Bon, forcément, je suis plus avancée avec Perle. Hein. Magnifique. Arrêtez de faire ça ou vous chantez pas. Salut Céline, comment tu vas? J'entends rien, ma fille, parce qu'à la fin. Oh la vache! Pas de paix à table. J'ai mis Quentin dans ma galerie pour qu'il pécho ma Sims. Genre, je râle. Regarde, t'es en train de chanter, Marie. Zorbu! Wouah, elle fait des tours sur elle-même, attention! Dobide! Et tu vas devoir trouver un ou une chérie qui est elle très soignée. Oui, mais justement, on m'a fait des Sims exprès. On m'a fait des Sims exprès que j'ai mis dans mon jeu, donc ils sont déjà plus ou moins. Hé, hey, Cocotte là! Allez! Donc, elles ont déjà des connaissances, elles ont même fricoté avec certains. Je sais pas, toi. Ah, toi, t'as Silver. Il est soigné et actif. On m'en a fait exprès, hein, parce que j'avoue, je vais pas taper toute la map pour chercher quelqu'un qui a le trait soigné. Hein. C'est un peu complexe quand même. Pulco vieux, ça me choque. Bah, ouais. Il faut bien, mais on est arrivé à faire tout ce qu'il fallait quand il était encore adulte, donc c'est bien. Mais ça lui va bien, il est beau gosse. Ouais, enfin, il est ridé, quoi. Mais il est beau gosse. Enfin, il fut très très beau gosse, Pulcote, hein, j'avoue que. Comme son père, c'était des beaux mecs. Vous voyez, elle. Alors tu vas sûrement pas. Tu vas chanter en duo encore avec ta sœur. Allez. Vous allez chanter, parce que elle, je sens, elle va faire des machins là, comment ça s'appelle? Elle va s'étirer et tout, et puis elle va gagner des points en fitness, je le sens. Ça, je préfère qu'elles augmentent leur champ. Fitness. C'est bien. Détresse familiale, je ne supporte plus ma famille. Super. C'est bien, c'est bien. On est au niveau 4 pour Mini. Allez, cocotte, hein. Va falloir qu'elle aille se laver bientôt. Hein. Déjà. Il faut absolument qu'on fasse la compète après. Hein. Il faut qu'elle arrive au niveau 5-25. En fait, j'ai trop vite avancé avec Perle. J'aurais pas dû. C'est pas grave. Oh bah alors! Tu vas chanter en solo, toi, allez. Country. Chanter en solo, jazz, machin, machin, et pop, bonne soirée. Allez. C'est bien, c'est que pendant que tu regardes un film, t'as l'autre qui chote son karaoké juste à côté. C'est bien, hein, c'est agréable. Aucun des deux est soigné, alors je peux les garder pour après. Ah non, je les ai pas installés. Pourquoi ne mets-tu pas le trait de terrain Brise vivifiant pour augmenter plus vite le fitness?
Ça augmente le fitness, c'est ça? Bah, en même temps, ça fait un peu de triche, je pense. Enfin, quand les filles, elles ont créé le challenge, elles sont pas. Voilà, enfin, je veux dire. Je préfère la jouer normale, on va dire. Je vais prendre une douche. Tu peux pas chanter sous la douche encore? Non. Parce que là, elle va encore nous faire. Pourquoi? Attends. T'es en train de faire du sport et t'es pas contente. Pas assez d'entraînement. Mais t'es en train de t'entraîner là? Elle se fout de moi un peu. Allez, va te laver, tu pues. Et après, on retournera faire du fitness. On est à 4,5. On y arrive, on y arrive, on y arrive. On va y arriver, les enfants. Ah, je l'aime bien celle-là. Oh! Oh! Écoutez, cette chanson, elle est mieux que celle de tout à l'heure. C'est vrai que ça met plus de challenge. Ah bah oui. Wow, wow, why do we do some more? Wow. Elle a encore du mal, hein. Elle est pas au même niveau que sa soeur. Elle est au niveau 3,5. Alors que Pearl, elle est quand même au niveau 5 en chant. Et j'avais dit qu'on laisserait qu'on ferait vieillir Nathalie ce week-end. Pour pas qu'elle ait trop de différence d'âge avec Pulcote. Sinon elle grandit dans 16 jours. Enfin vieillit dans 16 jours. On la fera vieillir demain. Logiquement, on aura notre héritière, donc. Oh là là, t'es chiante. Va te laver, dis, pour t'es en pyjama encore. Mais qu'est-ce que c'est que ces meufs? Toi aussi va te laver. Mais franchement. Elle est retournée faire du sport. Elle sue à grosses gouttes. Et pouf! Tiens, ça me rappelle son père. Pulco aussi, il se l'est mangé pas mal de fois, ce tapis. C'est dur, cette chanson. Ah, je suis pas la seule, alors. Vous saviez qu'il existe des saphirs violets, car moi, non. Là, tu me poses une colle, Eliosin, j'avoue que je sais pas. Les traits n'existaient pas avant la sortie de challenge, donc il n'y a aucune info là-dessus, j'en ai vu qu'ils existaient. Oui, après, voilà, moi, c'est pour ça que j'ai vu avec les abonnés, s'ils voulaient que je vous la... Que... Il y avait la possibilité d'aller à la fac pour Pulco, sachant que... Bah, pour les filles aussi, là. Mais sachant que lui, il était tout seul, donc fils unique, je me suis dit, ce sera l'occasion jamais d'aller à la fac. Parce que, elle, les trois, je les ferai pas aller à la fac, hein, c'est mort. Je peux pas, c'est... Non, c'est mort. Donc, c'est pour ça que j'avais vu avec vous, parce qu'avant, ça n'existait pas. C'est bien, ma belle! Allez, tu vas t'entraîner là maintenant. Tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Arrive au moins au niveau 5. Ah, tu bricoles, toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Réparer. Ah ouais! Bah écoute, super, elle se mit à... Ah, alors vous voyez, là, je la contrôle pas. Elle bricole toute seule. Hier, il n'y en a aucun qui s'est bougé le cul pour réparer. Moi j'ai envie de dire c'est... Mais t'as déjà fini? Vas-y, tu m'énerves. Pas assez d'entraînement, qu'est-ce que tu viens de faire? Allez, prends ta boisson énergétique. Voilà. Voilà, et tu vas aller faire un petit jogging. Hein, jogging énergisé. Jogging énergisé. Allez, vas-y, casse-toi. Allez, regardez-moi ce mini-cul. Elle a bien perdu, hein, déjà. Regardez, niveau 5 arrive bientôt. Oh là là, c'est bien, ça sent bon, ça. Et hop! Compétence bricolage pour nuage aussi, mais c'est une foutue blague. Mais ils se mettent à réparer des choses, pourquoi d'un seul coup? Oh! Il est trop fort ce... Pulco, viens l'acheter. J'adore. Oui, parce que maintenant on peut plus vendre les toiles quand elles sont pas à nous, mais on peut les acheter. Voilà. Ah, je crois que ça y est, elle est plus contente. Elle est éreintée, eux. C'est pas grave. Tant que t'arrives au niveau 5. Oh là là, regardez. Oh oui, on arrive au niveau 5. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, crade. Valide-moi. L'arnaque! J'étais à 101%, ça m'a redescendu à 95. Je suis deg.
Et pas mal, mais... Elle a les yeux marrons. Faut arrêter avec les yeux marrons, les gens. Moi, je veux pas de... Bon, c'est qui celle-là avec ses cheveux bleus? C'est pas encore maintenant la génération bleue. Manon Dubois. Encore les Dubois? C'est encore la génération de... Macy? Peut-être. Et elle dort. Reviens, reviens, Pulcote. Tu t'es perdu là. Je le vois que tu t'es perdu. Oh l'arnaque! On t'ira manger. Ça lui va trop bien cette tenue, je l'aime trop. Comment tu vas faire la compète sportive? Je vais prendre trois machines à chaque fois. On va les mettre en même temps. Elles vont commencer le truc en même temps. Et c'est la dernière qui abandonne, qui arrête en fait d'elle-même, qui gagnera l'épreuve. Et on va faire au moins trois épreuves, parce que comme ça pour déterminer en fait. Donc il y aura, bah, je pense, le mur d'escalade, parce que je ne l'ai jamais utilisé. Je pense qu'il y aura une machine comme ça pour faire le tapis de course. Je trouve que c'est pas mal. Et en troisième, je sais pas. Salut Quentin, numéro 2, comment tu vas? Mais c'est le tien, Marie! Mais putain, mais t'as une obsession avec les yeux marrons, c'est pas possible! Non, c'est pas une tenue pour femme, j'ai été la chercher dans le catalogue homme. Mais je l'aime trop en fait. Ça va très bien pour les mecs, ça va très bien pour les filles. Ah, elles sont en train de se taper sur la gueule. Qu'est-ce qu'elle a, Nuage? La tronche qu'elle fait? T'es relou, hein? Vas-y, illumine la journée. C'est vrai qu'elles se sont déjà pris la tête toutes les deux, hein. Plus d'une fois en plus, hein. Tu vas la complimenter? Elle. T'es chiante, hein? Tu peux pas. Je m'en fiche. Hein. Elle peut pas quand même courir pour se vider l'esprit. Allez, tu vas courir pour te vider l'esprit. Je veux que tu me valides le niveau 5, cocotte. Arrête avec la. Non, c'est bon, la vaisselle, c'est bon. C'est pas une excuse. Hein. Tu vas aller courir. Après, je comprends qu'on me dit. Ouais, non, tes cibles, c'est Dalarbin. Mais quoi à chaque fois? Ça y est, niveau 5! Pourtant, je suis encore marqué 4 hein, ici. Les Sims. Il déconne. T'as déconne! Ça y est! Oh, on va pouvoir passer. La compète sportive, donc c'est bien. Maintenant qu'elle est au niveau 5++, allez, tu vas aller parler un petit peu avec tes sœurs. Tu vas te plaindre de problèmes. Se disputer à propos du travail, non, peut-être pas. Parler de ton groupe préféré. Partie se coucher, elle. Mais t'es sérieuse, il est 22h. Viens discuter. Vas-y, illumine la journée. Allez, discussion en famille, là. Félicité pour ces bonnes notes. Allez, tout le monde parle avec Perle. Elle a plein de problèmes dans sa vie, Minnie. Hein. Alors, le challenge d'hier, il a fini comment? Bah, ils ont fini par tous mourir. Mais je regardais plus, en fait. Et j'avais rajouté encore une dizaine de plants de vaches. Donc, il y en a deux qui sont morts dans la piscine parce que j'avais muré. Hein, et les autres, bah, je sais pas parce que j'ai pas regardé. Mais ils ont fini par tous mourir quand même. Mais ils ont mis du temps avant de crever. Je suis déçue. Je suis grandement déçue. Ah, c'est vrai qu'elle est froide. Discute d'énigmes logiques. Toi, tu vas aller te parler avec ton père. Tu vas essayer de reconforter ton daddy. Et Minnie, voilà, super. Ça va mieux? T'iras te coucher après? Bon, elle est éreintée, mais logiquement, regardez, ça devrait s'en aller après. Hein. Enfin, j'espère. Après une bonne nuit de sommeil. Oh, regarde, papounet, t'es tristoune. Bah, tu l'as rassuré, ton père? Vas-y, tu peux le faire aussi? Ah non? Bon, allez, hop. D'ailleurs, je sais même pas s'ils avaient niqué. Ouais, je crois que son divertissement, il est remonté. Lui va manger. C'est bien, mon vieux. Oh, quelle tristesse. Mon Nathalie, tu nous auras fait des belles filles quand même. Hein. T'auras pas forcément servi à tout le temps, mais. Sinon, toi, si tu t'ennuies, tu peux chanter, hein. T'as le droit. Tu peux chanter. Elle est déjà partie se coucher. Bon, ouais, on va envoyer tout le monde au lit. Elle va au lit aussi. Toi, tu après, tu chantes, tu voilà.
Toi, bah t'es bien, t'es encore réveillé, machin. Pulcote, il est tristoun et il mange le chili vide d'rien. Ça y est, petit monstre est rassasié. Ah, la gloutonne. Oh non, elle a cassé le PC! Pardon. J'ai mis ce clic. Tu pourras réparer, stop. Oh, ça se drague là! Oh, c'est moignon. Comment vont mes chats? Ils vont très bien. Bon, là, il roupille. Ouais, Dex, il a levé la tête parce que j'ai dû. Je sais pas. Un BSOD, qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que je suis pas mort le premier. Non! C'est Gabriel, le Sims Gabriel qui est mort en prums parce qu'il était le plus épuisé, il est mort dans la piscine. Ça c'est sûr. Mais après je sais pas. Bah, gros, pas de soucis, prune, à bientôt. Des gros bisous à toi. Ça fait des fois que je poste et tu passes devant sans même y prêter attention. Un écran bleu de la mort, c'est ça. Alors lui est parti se coucher. Tu vas y aller aussi. Pas de raison. Tout le monde au lit. Demain est un grand jour. Nous allons y lire. Enfin, nous n'allons rien y lire du tout. Mais nous allons faire la compétition sportive. Muy bien. T'es déjà debout, toi? Merde, elle vieillit! Marde! Marde, elle vieillit! J'avais oublié qu'elle clignotait. Je crois que c'est M la musique le dernier. Hein. T'as chopé des hanches, cocotte? Ouais, mais tant pis, elle aura pas eu d'anniversaire. Bah, c'est comme ça d'être l'aînée. Hein. Excuse-moi, hein, j'étais obsédée avec ta petite sœur qu'il fallait qu'on remette à niveau. Bon, ouais, tu vas pleurer là devant ton miroir, tu me saoules déjà. Une gaffe. La meuf qui adore jouer aux Sims, mais il y a vraiment des trucs, c'est chiant. Mais j'ai pas eu de gâteau pour notre anniversaire! Tu crois que j'en ai, moi? Tu crois que j'ai des gâteaux? Tu crois que j'ai des amis? Vas-y, toi, connasse. Mais tout le monde est mort! Dans les trucs d'hier. J'avais mis un message, je suis passé devant alors que je l'ai mis deux fois et tu l'as pas vu. Mais tu me disais quoi? Excuse-moi, hein, Elios, des fois. Mais en plus, là, comme je suis en train de jouer, j'avoue que. Je ne suis encore. Je ne vois pas tout. Ah mince! Alors, j'ai trouvé comme prénom. Sahasrara. C'est le chakra au-dessus du chakra du troisième de couleur violette. Oh, trop compliqué pour moi, là, par contre. Ou alors, je l'appellerais Sahara, tu vois. Mais Sahasrara. On n'y est pas encore! De toute façon, c'est vous qui allez décider après du prénom, hein. Faut déjà qu'on ait notre héritière. Faudra déjà qu'elle soit fécondée. Ouais, va te coucher. Voilà, elle est plus triste, tout va bien. Et puis après, qu'on sache quand ça sortira, le machin, si c'est un garçon ou une fille. Et puis après, ben, c'est votre proposition. Et les votes. Donc forcément. Mais c'est un peu complexe comme prénom. Merde, je l'ai mis à la douche alors qu'il voulait pisser. Je sais plus ce que je fais, ça y est. C'est la Bérésina. Tu retourneras au lit, mon petit. Pourquoi tu t'es habillé pour... Oui, parce que je l'ai mis à la douche, c'est vrai, pardon. Heureusement qu'il n'y a pas la lessive dans la maison parce qu'on serait mal barré. Hein. La lessive, je me l'impose que dans les challenges historiques. Alors, tu peux aller aux toilettes et te doucher. Toi. Oh non. Tu vas me prendre un bain de mousse. Direct. Ça va te faire du bien. Ah, Nuage, elle a mis la robe que vous détestez. Non, Mini, s'il te plaît. En plus, ça fait qu'augmenter, là. Oh, bah, t'as cassé la baignoire. T'es chier. Va te prendre une douche.
Comment on fait pour enlever les élongations et tout, les enfants? Est-ce que vous avez une idée? Parce que là, ça peut durer longtemps. Ça peut durer très longtemps. Massage, mais massage. Ah, faire un. D'accord, on va venir. Je vais installer genre à l'arrache. À l'arrache, un truc de massage là. Normalement, c'est le bain. Bah écoute, le bain il a rien fait du tout. Hein. On va foutre un truc de massage dans le jardin, dans la cuisine. Table de massage. Comment on sait où déjà qu'on trouve la table de massage? Loisirs et compétences. Genre là, c'est ce truc là, hein. On fera venir quelqu'un, on s'en fout, hein. J'espère que ça va marcher, hein. On va manger. Dépêche-toi. Et après, tu demanderas un massage suédois. Ah ouais. Tu vas commander un masseur directement, hein. Est-ce que là... On va s'en sortir! Ou alors, faudrait que je triche avec le MCC, hein, ce qui est possible, mais... Mais bon, c'est un peu de la triche. Je pense que quelqu'un a déjà eu l'apparition d'une bulle de pensée avec un cadenas dedans dans les Sims. Car dans ma partie, j'ai une chambre où je peux en sortir mais pas en rentrer. Massage suédois. Ah, alors. Comment recevoir un massage? Allez, aux pierres chaudes, allez. Mathieu Taylor! Ouais, t'es pas beau. Désolé, hein, pour lui, mais... Elle se fout moi! Allez. Tu arrêtes! Non mais là, même pas elle se fait toucher quoi. Je suis pas sûre que ça marche hein, les meufs. Enfin les meufs, les gens. Tac. Pulcote, quand t'auras fini de manger, tu pourras réparer la baignoire. Réparation instantanée. Parce que Pulco, il nous a tout refait les plomberies là. Ça ne fait rien du tout! 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 Ah oui, super! Ce, si je voulais le faire là, le truc. Avec. Comme il est bien bugué ce jeu. Réagir au massage. Ok! Ça fait rien du tout. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce rêve. Enfin, d'avoir rêvé c'est une sensation bizarre. Tiens, j'ai cette sensation de me dire, bah tiens, Marie, tu dois te souvenir aussi parce que tu me disais que c'était pareil pour toi. Et je m'étais dit, bah tiens, Elios, vu que t'es dans le chat et que tu t'y connais bien en truc comme ça, est-ce que ça te parle d'un rêve prémonitoire? C'est marrant, ce penser à des... C'est bizarre. Bah oui, c'est ça, c'est buggé. Parfois, il faut réaliser les paramètres de la box. Pardon, c'était pas pour moi. Alors, on va augmenter l'empathie. Bah là, elle va bien, mais je suis désolée, mais on va lui supprimer, hein. Bah ça ne marche pas! C'est génial! Bah du coup, l'autre elle se fait masser aussi, bah tout va bien. Est-ce que vous avez des propositions? Parce que là, ça marche pas. Ça ne marche pas! C'est complètement flingué!
C'est mort. Essaye de quitter et revenir dans la partie. Oh la dégueulasse, elle a pété. Alors, on va tester. Je vais enregistrer. Parce que là, c'est chiant. Annulateur d'état d'esprit. Est-ce que j'ai assez... Je vais voir... Oh, qui c'est qui a fait à bouffer? Je vais voir avec Pulcot parce que c'est lui qui a le plus de points. Tac. Une potion. Ouais. J'ai jamais utilisé ça. On va voir, on va voir, on va voir. C'est où, c'est ça? C'est là. Hop, tu vas le prendre. Voilà. Waouh, ça fait des flammes! C'est carrément une bombe atomique. Elle est où? Elle est là. J'en fais plus. Ouais. Ça me va, hein. Fais des abdos. Faut remonter le niveau. Est-ce que si tu t'étires plein de fois, ça va te faire du bien? Parce que là, c'est encore là. Hein. Ah! Non, j'ai cru que... Non. Fitness, 15%, 18. 21. Oh, bah c'est bon, elle sera à niveau, là. 23. Oh là là, elle est à niveau, hein. Elle est au pile au niveau. Il n'y a que maintenant Nuage qui a besoin. Elle a un tout petit besoin de... Vas-y, bois un truc. Je pense pas qu'on va pouvoir. Hein. Voilà. Tu vas faire des exercices, tu vas te faire des abdos. Tu vas t'étirer. On va... Est-ce qu'elle est à 20? Vingt-cinq. La 23, il lui manque 2%. Elle est où? Je vais la refaire s'étirer, parce que je crois que ça vaut 2%. Ah, elle a 1% de plus. Bon, bah tant pis, hein. Elle aura 1% de plus. Les filles sont complètement au niveau, les unes avec les autres. Supprimer les deux œufs et quitter la partie, ça aurait marché. Alors, on va vraiment on va quitter la partie. Désolé pour ce contretemps. Et c'est très important. C'est bon! La compétition peut commencer. Nous allons installer sur le terrain... Tout ce qu'il faut, pour le sport, Par contre, je voulais faire là, mais avec ce truc de merde là, ça va être chiant. Barbecue, je vais le mettre. Mettre là. Barbecue devant la maison, c'est normal, c'est normal. Je vais mettre la fusée là derrière plutôt, hein. De toute façon, elle nous sert pas à grand chose. Et je vais mettre ici, ce sera mieux. Alors. Je sens l'excitation arriver chez vous, hein. Je le vois, je le vois, je le vois. Tu regardais son aspi fitness? Ah non, 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 c'était pour enlever les buffs. J'ai regardé l'aspiration fitness? C'est possible, tu sais, moi des fois je fais des trucs n'importe quoi. Je pensais que du coup tu répondais à quelqu'un pour le code, mais c'était pour retirer les buffs en fait, mais ça a bien marché au final. Alors, c'est où le truc d'escalade là? Comment ça s'appelle? Oui, ça. Ça coûte, ça va. Au niveau du prix, on est bien. Alors, 1.
2 et 3. Nous allons. Oh oui, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Mur d'escalade? Faire du patinage, mais je pense pas que ce soit un truc. On va prendre ça. Oh, d'accord, ça m'énerve. Je vais les mettre comme ça. Putain, quand je vous ai dit que ça allait me saouler. Je vais les mettre comme ça, hein. C'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en sport? Il nous faut au moins 3. Ah, bowling! Oui, vous avez vu le CC cheval. C'est un CC que j'ai trouvé, il fallait que je teste, j'ai pas encore testé. Ah, je suis tout émoustillée. Oh, je bouge. je bouge plus, d'accord, très bien. Je vois bien un bowling. Enfin, c'est pas vraiment du sport, mais c'est vraiment le... Est-ce qu'on va faire un bowling après? C'est compétence spéciale. Ok, ben j'abandonne. Alors, vous avez des idées? Parce qu'à part ça, ou bien faire un entraînement... du basket! J'espère Mini perde juste pour éviter les bugs. Non, je veux qu'elle gagne, Mini, c'est ma préf. Mais vous verrez pas, je ferai pas. Voilà, je cache le cheval. Faut que je le teste. Tant pis. Vous aurez pas, vous saurez pas. Vous saurez rien d'autre. Je sais même pas sûr que. Enfin, moi, ce que j'en ai vu, je crois que c'est affreux en plus. Donc, jeter une émotion, c'est since at buff, non de l'émotion. D'accord, Linette. Merci, Tatou. Oui, Mini, exactement. Un tapis de marche. Mais c'est déjà fait. Il est là. Il faut troisième. On peut pas aller au canoë. Non, mais en vrai, un truc sur un peu une endurance. Surtout qu'elles vont être éreintées et tout. Bon. Pff. Le ballon, le foot. J'ai jamais fait. C'est vraiment une vraie compète? J'ai jamais fait, hein. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. Ils peuvent faire le rebond, c'est ça? Et le ballon. D'accord, Linette. Oui, après, je les code, je les prends directement sur Internet, tu sais. Donc je pense que... Après, j'ai les MCC, donc c'est facile d'ajouter quand j'ai besoin d'ajouter. Donc c'est bon, course de... Bah non, course de vélo, l'idée est bonne, mais on est obligé de les faire se balader d'un point à un autre, je crois. Est-ce que t'as vu pour moi de mes... Non. M'occuper de la maison de mon grand-père qui est à ciel en maison de retraite. Ah bah si t'as des trucs vintage, si tu les revends, je suis intéressée. Mais oui, c'est pas faisable. Ouais. Bah, j'aimerais bien. Mais ça, vous êtes sûr que c'est une... On peut faire quelque chose avec ça? Moi, je sais pas, j'ai jamais testé. Hein. Mia Gravel, mais son prénom. Oh, bah, c'est vous qui avez voté, hein. Il y avait Griselda, hein, qui était encore en compète. Hein. Là, c'est bon, il y en a déjà beaucoup. Je vais en parler à un réparateur. Vous parlez des fois entre vous, je capte plus rien, moi. Oui, alors merci, Mileyve, de me dire enfin une réponse que j'attendais. Il faut que l'on joue plus longtemps. Ok, on est bon, du coup. La compétition sportive est bonne. Ah, j'ai oublié le téléporteur. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Première épreuve, ce sera ça. Ensuite, après, on verra. On mettra une à chaque fois. On fait 3 épreuves parce que je pense qu'on va galérer pour les autres. Donc, Alors, elle est confiante. Elle est énergisée. On va commencer.
Avec Perlette. Hop! Après la moyenne, ce sera Nuagette. Et la dernière, Miniette. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Alors, nous allons. Défi d'endurance. Ah, oui, je sais. Alors, grimper. Allez, vertical. Excusez-moi, j'ai bugué d'un coup. Vertical. Vertical. Moi, je me mets en place. Parce que là, normalement, hein, je ne contrôle plus rien. On va juste observer. J'ai la main sur Mini, mais enfin, je veux dire, c'est la dernière sélectionnée, mais normalement. Bah, allez-y là! Parce que là, vous allez perdre du temps. Bon, Perle se met en avant. Une, deux, trois, quatre, cinq. Oh, 4 à 5 secondes d'avance sur ses sœurs. Donc la dernière à être sur le truc aura gagné la première épreuve. Hein. Elle est mini. Ta tête cache la première. Non! Si? Comme ça. Là 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 là! Ça se joue l'héritière. Vas-y, mini, mini, mini! Mini! Mini, premier. Ah bah voilà, c'est pas Nuage qui a gagné, déjà. Je la laisse, mais comme ça, elle continue à faire un peu de sport par. Ah, mais en plus, elle avait 5 secondes d'avance, attendez. Donc, c'est Mini qui gagne quand même. C'est Mini qui gagne quand même, on est d'accord. Sachant que Perle avait 5 secondes d'avance. Non? Je sais plus. Je sais pas qui gagne. Elle est tombée et elle tombe juste après. Sauf qu'elle est passée 5 secondes de plus. Bah non, alors c'est Perle. C'est Perle qui gagne. C'est Perle qui gagne, les enfants, je suis désolée. Ah, oh, je voulais trop que ce soit Mini, c'est pas grave, je vais la prendre en photo. Parce que j'adore qu'elle tombe, elle est en train de tomber, mais c'est Perle qui a gagné la compète là pour l'instant. Bon, c'est Perle qui a gagné. Ah, clap, 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 clap. Clap, 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 clap. Ça va bien les faux culs là dans la rue. C'est Perle qui a gagné la première partie. Je suis désolée. Il y a eu un faux départ. Ouais, mais justement, il fallait pas oublier que voilà. Voilà. J'ai dit c'est bon là. On va reprendre les téléporteurs. Il y a de plus en plus de monde qui. Bon, cassez-vous. Voilà, comme ça vous serez obligé de. Voilà. Tac. Tac. Et tac. On va y arriver, on va y arriver. Le suspense est à son comble. Hein. J'ai faim. Toujours le même gogol qui tape sur son truc dans ma rue, tout va bien. Nous avons Nuage. Je suis très concentrée. Amy. Bisous Céline, à bientôt. J'aime bien le mur d'escalade, ça change. Ouais, mais bon, on va essayer de changer les trucs. Alors bah course d'endurance tout court, hein. Course d'endurance et course d'endurance.
Bon, j'espère que cette fois-ci elles seront toutes en même temps parce que je veux pas commencer à me casser les pieds, hein. Allez! Bon là, par contre, on voit que leur cul. Ah, c'est vrai, vous allez dire, oui, tu caches Minnie! Désolée. Parce que moi, je vois très bien, donc c'est pour ça. C'est bon, là? Vous avez les trois, hein, normalement. Première qui s'arrête, hein. Enfin, la dernière qui reste en place. Pour l'instant, il y a un point pour Perle. Après, bon, bah, si c'est égalité parfaite pour tout, entre les trois, faudra voir comment on les départage, hein. Mais pour l'instant, c'est pas. Perle, elle est confiante. Elle sait qu'elle va gagner les premières épreuves. Ouais, c'est ça. Tu caches mini, tu es médium. Non, mais là, c'est bon. Si elles arrêtent d'elles-mêmes, genre elles en ont marre, tu vois. Si elles sont trop fatiguées, elles puent ou un truc comme ça. Première qui a... Enfin, la dernière qui reste sur le tapis aura gagné l'épreuve. Nous sommes en guerre. Allez, Minnie, nous sommes en guerre. Ma Minnie, pour l'instant, elle arrête pas de faire sa grimpette, là. Nuage, elle y va plus tranquille, hein, quand même. Alors, elle est juste dans l'ombre, un hein, Perle. Hein. C'est pour ça qu'elle est un peu plus enfoncée, on va dire. Elle a pas de lumière sur elle. Voilà. Voilà. Je suis dégoûtée. Non, alors par contre, venez pas leur parler, hein? Putain. Fallait choisir les votes classiques, les enfants, hein? Non, non, elle va bien, elle a rien. Oh, pauvre Pulco, tu fais ton vieux papy. Va manger. Et c'est un point pour Nuage! C'est un point pour Nuage. Braval, braval, Nuage. Nous allons vendre ça tout de suite. C'est pour l'instant, on ne sait pas encore hein, qui va gagner. Hein. C'est, ça va être l'épreuve du ballon. Je sais même pas. Mais bon, on va essayer de faire un truc. On va reprendre le téléporteur comme ça. Ça marche très bien le téléporteur. Même endroit, voilà. Bon ben, en tout cas, si Minnie perd, nous aurons forcément notre héritière entre les deux. Hein. C'est suspect. J'arrive pas à me dire que c'est maintenant, tu vois, et que je suis dégoûtée que Minnie elle soit mal barrée. Après, mon deuxième choix, c'est Nuage, mais quand même. En fait, on va se retrouver avec celle que j'aime le moins. Je le sens gros comme un ballon. Alors, s'entraîner à jongler? Je pense que c'est ça, c'est s'entraîner à jongler. Sinon, on respecte rien et on prend Minnie. Bah écoute, on verra, on verra. Si elle gagne le dernier, oui, elle restera dans la compète, mais il va falloir les départager à un moment donné, hein, parce que sinon, Père va gagner, je sens. Bye bye Tatou, à bientôt. Donc c'est ça, c'est s'entraîner à jongler. Mais en plus, elle est saoulée là. Tu viens de gagner une épreuve, meuf, commence pas à faire ta connasse. Je fais un petit screen. Hein. Ce sera l'épreuve finale. Ah oui, je sais, vous voyez pas. Oh, elles sont trop mignonnes. Putain, Minnie, je te jure. Je suis stress. Perle, je t'en prie, père.
Mon ami Émilie va encore arrêter en première, j'en suis sûre. Faudra couper au montage pour YouTube. Bah non, mais... Yes! Perle a perdu! Perle a perdu! Donc, bah, ça dépend si Nuage elle gère. On a Nuage, sinon bah, c'est un partout quoi. Nuage, héritière. Voilà. Le cri de détresse. Vas-y, on annule cette idée de merde. Hé, Sianana, c'est pas toi qui avais eu l'idée justement de la compétition sportive? Regarde. Oh, quel beau screen que je vais faire là. Mais elle est belle encore, ça va. Moi, je l'aime bien, elle est mignonne. Mais voilà, nous avons notre héritière. Hein. C'est comme ça, vous avez décidé. Hein. Pourtant, vous aviez vu la bouille de Minnie. Vous aviez vu sa bouille. Et... Bah, elle me saoule là, elle est en train de gâcher tout le truc. Comment voulez-vous que je fasse ma photo? Comme ça. Voilà. On est d'accord, elle l'a bien posée. Attendez, je sais plus moi. On est d'accord qu'elle avait posé le truc? A raté un jongle. Ah oui, il faut commencer à faire froid. Hein. Elle va te doucher, rentre. Ah mais! On a carrément un score! Le nuage a jonglé 92 fois avec le ballon sans le faire tomber. La prochaine fois, essayez de se battre ce record pour établir un nouveau record. Mais attendez, pourquoi j'ai pas eu avec Perle? Pourquoi on n'a pas... Attendez, attendez, attendez! Attendez! Vas-y, rentre! Elle l'avait posé! Non, elle l'avait pas posé! On essaye de gruger comme on peut, hein! T'es un peu à l'aise de la règle de ce truc, tu veux revenir le dessus? Ouais, c'est toi, Sianana, qui a voulu qu'on fasse une compète sportive maintenant! Tu t'en veux? Non, mais je vais la laisser finir! On verra si elle arrive à battre 92 fois. Mais bon, Perle, heureusement, voilà. Donc, normalement. Ah, bah, elle est bêtée. Qui suis-je? Reçois le ballon de foot en pleine tête. N'importe quoi. Mais ouais, mais Minnie, il fallait faire ça avant, quoi. Je suis tristesse. Linette qui essaye d'être la voix de la raison. Regarde les notifs. Ah oui, Mini 64 et Perle 40. Ah ouais, on est d'accord. C'est, y a pas photo. C'est Nuage qui a gagné. C'est comme ça, mes enfants. Je suis désolée. I am sorry. Nuage est donc notre héritière. C'est pour la plus moche. Dites-vous ça. Voilà, c'est elle. Voici Anana, attention! T'as mis trop de mages. Il n'a pas été content. Oh la vache! Salut Mel Benaï, merci pour ton follow, bienvenue à toi! Bon bah, déception, hein, je suis d'accord. Hein. Bon, c'est. Et lui, il est encore là? Tu peux partir en fait.
Oh bah merde! Plus le code, il se met à chanter! Ah, il a disparu. Ouais, il mange les brochettes dégueulasses. Il faut pas manger ça. Tu peux faire ton gâteau d'anniversaire, on va te faire vieillir maintenant. C'est bon, on a. Voilà. On peut recommencer. Ah bah non, hein. C'est qu'une fois dans la vie, hein. Donc Perle va partir de la maison. Ouais. Bah, je vais la mettre en couple quand même. C'était qui son. Ah ouais, elle avait. Ah oui, elle était avec. Mais on essayait de lui faire avoir un autre chéri, hein. Patrocle. C'est bizarre comme nom, ça. Zéphyr Grisou. Va falloir qu'on lui trouve un gars. Et puis, je lui ferai faire un bébé, et puis voilà. Mais meuf, je t'ai dit de faire un gâteau. Vas-y. Connasse. Quelle connasse, là, Nathalie, là. Tu te crois où, là? Allez. Va faire ton gâteau d'anniversaire, va te faire vieillir, tu vas devenir une vieille peau. Comme ton mari. Ah bah. Super. Très bien, très bien, très bien. Hop, on peut débloquer. Maintenant, c'est bon. On a notre héritière. Elle est mignonne, moi, elle est belle. Moi, je la trouve belle. Bah oui, elle a... Forcément, elle a mangé des trucs pourris. Tu auras quand même un beau mari à Minnie, hein. Au moins qu'elle aura pas le cœur brisé trois fois. Non, c'est ça. Fallait voter comme moi, ça serait pas arrivé. Ouais. On peut dire l'enregistrement du live a bugué, on promet. Je vous les ai partagées, je crois, dans la galerie, les filles et tout. Hein. J'avoue, ouais, mais elle était trop belle. Hein. Bon. Ce sera Nuage avec sa petite tête de souris qui voilà, qui nous fera des enfants. Je suis désolée, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Je suis toutes mes confuses. Ouais, tu vas mettre des bougies. Et tu vas aller souffler. Parce que c'est comme ça. C'est ton anniversaire. C'est pas celui de ta mère. Salut, Pulco. On te fait la bise, Pulcote. Oh, t'as des belles dents. Allez. Happy birthday, Nathalie. Oh, Nathalie. Alors, les niches qui tombent. Et le ventre gras qui tombe. La 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 la. Oh, qu'elle est belle, notre héritière. Nathalie. La vieille bique. Il est loin le temps où tu étais. Jeune et belle et baisable. Oui, je fais des... C'est pas vraiment... Ça rime pas vraiment, mais bon. Voilà. Tout le monde fête son anniversaire. Ne soyez pas déçus, c'est la vie, hein. Tout le monde ne peut pas avoir... l'héritière qui veut. Révolution. Si on prend pas Minnie, tu pourras la mettre avec mon Mary d'amour. Très bien. Meriadoc, c'est ça, hein. Bah, on prend pas Minnie parce qu'elle a pas gagné. Hein. Y a deux tiers de ceux qui ont voté pour la compète sportive. Je ne peux pas lutter. Moi, je trouvais l'idée très bonne et en même temps, je m'étais dit, mais si on fait un vote classique, Minnie, elle gagne. Quoi. Voilà, vous avez choisi. Hein. Mais peut-être qu'elle nous fera des belles filles aussi. Mais allez, regardez, elle est choupette. Franchement, elle est belle. Elle est belle. Il n'y a pas à regretter. Pour moi, la moins bien, c'était Perle. Donc, mais elle est bien comme si, mais elle est quand même moins belle que ses sœurs. Voilà. Donc, bah, écoutez, notre héritière va aller dormir. Elle a déjà un échec amoureux à son compteur, il me semble. Oui, avec Claude. Donc, bah, on va pouvoir... Bah, ils ont même pas fait leur devoir ni rien. C'est vraiment... Osef, quoi. Oh, mon petit Pulcote, ça y est. Tu as rendu le flambeau, je sais pas quoi, là. Ok. Bah, elle travaille. Elle va pas se mettre tout de suite à la retraite. Elle va aller un jour ou deux au boulot et puis ce sera bien. Mais oui, elle est jolie. Salut, Lexia. Comment tu vas?
faut bien compenser. Oui, mais Riadoc, ok. Révolution, révolution, révolution. Je vois, j'ai loupé la compète. Ouais, ça y est. Notre héritière est désignée par la compétition sportive. Ça a été du stress quand même, hein. Au moins, Nuage a un joli prénom, c'est ça. Perle peut trouver un travail. Oui, tout à fait. Mais ne vous inquiétez pas. Vous voulez qu'elle trouve tout de suite? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Allez, on va voir qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse. On a le choix, elle n'est pas obligée de faire d'être athlète, hein, parce que elle n'étant pas héritière, elle pourra avoir une autre carrière. Qu'est-ce qu'on lui donne? Elle est plus jolie que Perle, c'est sûr. Bah voilà. Donc on est content. Moi, je suis contente quand même que ce soit Nuage. J'aurais préféré Minnie. Elle avait des plus grands yeux et elle avait, voilà. Elle était trop choupette aussi. Ça me tarde, août. Pourquoi? Elle se casse. Agent secret. Alors, est-ce que vous êtes plutôt pour agent secret pour Perle ou pas? Est-ce que vous voulez une autre, une, vous avez une idée d'une autre carrière? Agent secret, ça vous va? Par contre, tu ne rates pas le soulèvement du chat. Mais ouais, mais moi j'y peux rien. J'ai fait un vote pour désigner comment on fait. La plupart a choisi de faire compète sportive. Moi, c'est comme ça. Vous l'avez vu la tête de Minnie quand même. Moi, je peux rien faire pour, hein. Dès qu'elle a grandi, j'ai fait oh là, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, j'ai même dit mince, c'est peut-être ma préf. Ouais, pas écouté. Je vais faire tes devoirs, tiens, en attendant, quand même. Elle est partie se coucher. Elle est encore en train de travailler. C'est bien. Perlouse! Ça tape dans mon plafond, ça tape dans le fond. Interaction amicale. Ouais, dis donc, ça va être compliqué à faire, hein. Oui, bah, goûter, faire un gâteau, c'est ça, ça mange pas de pain, hein. Voilà, hein. Salut, Madame J. Je ne sais pas comment t'appeler à chaque fois, j'ai du mal avec son pseudo. Interaction amicale. Tu vas être sympa avec ta sœur, alors? Entre perdantes, vous pouvez discuter. Conversation profonde, voilà. Discuter de son groupe préféré. Apprendre la responsabilité. Tout juste commencer, 25%. Comment s'est passée la journée? Ah, au fait, ça va, tu digères bien d'avoir perdu? Jus ou Madame J ou Jus ou Gertrude ou machine. D'accord, très bien. Madame J, alors peut-être. C'est peut-être plus, plus logique comme ça. En fait, en lisant ton pseudo, je verrai plus Madame J. J'ai regretté du coup. Après, moi, j'ai vu la tête de Minnie avant de voter pour la compétition. T'as pas vu la. Aïe, 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 aïe. Ah oui, il fallait regarder quand même. Faut être sûr de ce qu'on fait. C'est dommage. Regarde là, elle se la pète là. Ouais! Tiens, bah, d'ailleurs, elle se la pète et elle pète. Hein. Ouais, moi j'ai gagné la compète. C'est moi qui vais faire des enfants violets. Ça va être peut-être ma génération préférée, hein, celle d'après. Hein. T'as intérêt à nous faire des filles. Hein. Des belles filles. Oui, j'ai une obsession pour les filles. Non, c'est parce que je sais que la plupart aiment bien les filles, c'est normal. Je mets les sacs nus. Sinon, ouais, si t'es bien réveillé encore, tu peux faire tes devoirs. Hein. Ah, tu les as déjà fait! Mais elle est marvelous. Oh là là. Après toi, t'iras pisser, t'iras te coucher. Perloute. Perloute, tu vas te coucher. Et Minette. Ouais, Minette, c'est bon. Minette. Toi, t'iras au lit, c'est rien. Une nouvelle compétence, c'était horrible, réussite, horrible, horrible. J'avais complètement zappé qu'il y avait un truc, j'avoue, hein, je vous ferai pas dire. Aimer les Sims hommes, c'est mon truc de toute façon, mais le pique pas. Et voilà, après, on a eu deux héritiers hommes à la suite, hein, Bordeaux et Pulco. C'était des beaux mecs, c'était bien aussi quand même. Là, c'est fille, donc on verra bien. On verra bien ce qui sort. Elle est partie, Nuage, ça sert à rien là. Allez, va te coucher, va. Va te coucher.
Wouh! C'est comme ça. Le sort en est jeté, allez à Jacta Est. Ma pauvre Mini, je croyais tellement en toi! T'avais 1% d'avance sur tes sœurs. Ça va, Madame J, ça va. Sana devrait retourner casser les chiottes et fermer sa grande gueule. Ma fâche, la violence! Tu vas lui créer un homme à l'image? Alors, non, après, si vous voulez, vous pouvez toujours me créer du coup, des jeunes adultes, parce que là, elle a grandi quand même un peu. Elle a son anniversaire dans 3 jours, elle deviendra jeune adulte. Donc, elle pourra commencer à pondre déjà dans 3, 4 jours, on pourra la faire pondre. Pas tout de suite, parce que il faut qu'elle ait des échecs à l'amoureux, elle en a qu'un. Mais vous pouvez me créer des personnages, des hommes, parce que ça va plus vite pour faire des enfants. Pas avec des yeux marrons déjà, mais avec le trait soigné, parce que c'est imposé d'avoir le trait soigné pour le conjoint. Voilà, mais vous pouvez m'en créer et puis les partager avec le hashtag NotSoBerry, comme d'habitude. NotSoBerry. NotSoShirley, pardon. Comme d'habitude! Faudrait qu'elle se casse avec Cumulus. Bah, faut que je vois à quoi il ressemble, parce que faut qu'on voit s'il est beau, quand même. En fait, même en trichant, on n'a pas réussi à faire gagner Minnie. Bon, elle avait quand même 1% de plus que ses sœurs, elle a quand même pas géré, hein, moi j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Bah, elle se lève en pleine nuit, elle a une fringale. C'est toi qui sens le vieux là, demande à Marie, elle a l'habitude de sentir les vieux. Avec la table de truc de massage dans la cuisine. Truc complètement improbable quoi, c'est n'importe quoi cette maison. Allez hop! Va te coucher la vieille. Les couples de vieux. Pulco, il a besoin de pipiter. Mon petit Pulco d'amour. On va être triste quand tu vas nous quitter, tu sais. Hein? Ouais, on t'a aimé quand même un petit peu. Il est 6 h, bon, ouais, tu vas préparer le petit déj. T'as un papy maintenant. Servir le petit déjeuner, des œufs brouillés avec du bacon. Elles l'ont rencontré, mon Sylvester, je crois. Ma galerie ne marche pas. Ah mince. J'en ai deux de mon Otso Berry Génération Grise. Oui, après, si vous l'avez déjà fait, normalement, j'en ai déjà installé, qu'on les a déjà croisés. Hein. Mais n'hésitez pas. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre la Génération Grise et tout ça. Vous pouvez les créer. Alors, beau, beau mec, hein, franchement, beau, beau gosse. Avec des yeux bleus, verts. Mais pas marron, s'il vous plaît. Ni noir, du coup, hein, parce que quand même. Mais bleu ou vert, c'est très bien. Ils se mettent aux couleurs de la future génération. Ils sont tous gris, mais c'est ça, ils sont tous des gris. D'ailleurs, Charlie, mon copain, regarde tes vidéos. Tu l'as appris ce soir, sérieux? Il met des commentaires de temps en temps ou pas? C'est cool, ça, que vous me regardiez tous les deux, c'est rigolo. Et après là, je me suis fait un mug cake chocolat beurre de cacahuète. Oh, je veux bien ta recette, Yanana, si ça te dérange pas. Parce que je sais jamais comment faire ce truc-là. Donc si tu peux me la donner quelque part. Twitter, tout ça, quoi. Enfin, voilà, enfin, t'as plusieurs moyens de me contacter, donc vas-y, n'hésite pas. Salut, Pauline. T'es partie quand, Pauline? Parce que je ne sais pas ce que t'as raté, en fait, je t'avoue. Il a les yeux bleus? Ah! Moi, je t'ai fait deux familles où mes garçons sont magnifiques, mais je n'arrive pas à te les envoyer, ça me met tout le temps en échec. Ah merde! Faudrait que tu me les envoies avec le trait importeur, je pense, mais c'est un peu plus compliqué. Je pourrais pas t'expliquer maintenant. Mais les yeux noirs, c'est beau. Non, là, j'ai déjà 3 meufs avec des yeux marrons, hein? Alors que j'ai pris une mère exprès avec des yeux bleus. Qu'elle a filé à personne. Je veux pas que les yeux marrons se trimballent jusqu'à la fin du challenge. Non, je veux des yeux de couleur. Moi, je suis relou, mais les yeux bleus, les yeux verts, c'est très bien. Les yeux gris aussi, c'est beau. Mais pas les yeux marrons, pas les yeux noirs. Je dis, alors, mais je parle pour mes Sims, évidemment. Hein. Je parle pas dans la vraie vie. Hein. Moi, ça dérange pas. Les gens, ils ont les yeux qu'ils ont. Hein. Je veux dire, c'est bien la seule chose au monde qu'on peut pas changer. Enfin, paraît que si, mais bon. C'est une autre histoire.
Allez, parti bosser. Hop, tu vas travailler dur. Toi, tu vas aller taffer aussi, non? Tu taffes quand, toi? Dans la... Ah non, tu taffes pas. Bah, écoute, ok, c'est bien. Fais ta life alors. Pourquoi t'es buggé? Ta mère, elle est pas là. Attends, je vais la débugger parce qu'elle me saoule. Tac. Ok, tu vas aller manger. Nuage! Elle va manger son gâteau. Puis après, elle va aller à l'école. Ah bah, Minette, elle est. Minette! Minette, elle est déjà en cours. Une cuillère à soupe de. Ah, déjà trop de sucre. 2 cuillères à soupe de farine. Une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Une cuillère à soupe de chocolat en poudre et un œuf. Très bien. Ouais, c'est facile en fait. S'il est déjà arrivé, je connais pas son nom. Il a pas Twitch, du coup, il vient jamais sur tes lives. Mais tu peux lui dire que ça coûte rien d'avoir un compte Twitch. Hein. C'est comme un YouTube live en fait. T'es juste t'es inscrit, tu peux parler dans, sur le chat et qu'il n'est pas obligé d'être inscrit pour pouvoir assister au live. Après la défaite de Mini? Oh ben rien de très intéressant. Je te l'envoie aussi sur Twitter. Ouais, très bien, Siana, merci beaucoup. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Non, pulcote! Non, pulcote. Bah, t'as une femme de ménage qui arrive exprès. Si tu veux, tu peux ranger là. T'as le droit. Oh là là, et c'est dommage qu'on n'a pas encore le kit de comment ça s'appelle de tricot, hein. Parce que là, Pulco, il ferait des pulls, hein, ou des écharpes au choix. Bon, ben, on va te trouver un mec. Alors, opération Marie pour Perle. Qui es-tu? Romain Champ. Moi, oh, t'es vieux. Ah ouais. Par contre, il est gris. Mais il est adulte, il est pas personne âgée. Tout donné. Désolé, je vous ai pas consulté. Oh, beau gosse. Mais il est adulte, donc il est un peu vieux pour elle. Oh, madame, elle est enceinte. Non. Il est où là, le Mériadoc là? Madame, elle est chauve. Un homme pour Perle. Ah, un homme pour Perle. Est-ce qu'il habite pas à côté? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qu'il connaît? Attendez, on va aller regarder ça. Oh là là, mais Pulco, tu connais personne? Bon, elle encore pire. Ok. On va aller trouver un mec, hein. Je pense pas, je l'ai vu passer tout à l'heure, mais personne ne lui a parlé. Hein. Il est là, Sylvester Stallone. Il est là. Il faudrait qu'on le croise de nouveau, par hasard. Oh, par hasard. Ou alors, il faudrait qu'on bouge. Que bizarrement, on aille chez lui. Je sais plus où je les ai mis, les gens. Attends, on va aller voir. On va carrément se bouger, hein. Pourquoi j'arrive pas à voir tes vidéos YouTube? Peut-être parce que je sais pas. Est-ce que tu as un bloqueur de publicité? Faut l'enlever. Et refresh jusqu'à temps que ça fonctionne. Ou alors c'est que t'en as peut-être trop regardé ailleurs. C'est celui qui manque, non? On est d'accord? Oui, lui, il habite tout seul, enfoiré. J'ai fait cumuler des trucs, hein, j'avoue. Oui, parce que c'est sa sœur. Bon, allez, go. C'est pas grave, on va y aller. Perle, elle a envie elle a envie de se caser. Ah merde! Oh, c'est pas grave. C'est pour Minnie, c'est vrai. Oui, mais il est déjà adulte. Il sera trop vieux pour elle. Excuse-moi, j'ai oublié. C'est pas grave. On va quand même rendre visite, c'est pas un souci. Comme ça, il sera dans le calepin. De sa sœur, c'est tout aussi bien. Mais elle leur frappe à la porte. Salut? Et puis, c'est quoi les yeux encore? C'est encore des yeux marrons? C'est les marrons clairs, c'est les seuls que je tolère. Oh bah!
C'est la fille de Rainer. Mais tu peux les changer, tu sais, monsieur. Tu peux les changer. Nuage à la rencontrer Duncan. Pourquoi tu t'assois là-bas? Ah oui, c'est vrai, parce que la maison est tellement belle. Ah, elle est incroyable, cette maison. Hein. Merci les Sims de nous faire des maisons si belles. Hein. Oh, punaise, en verre. Discuter des centres d'intérêt. Il est blasé, le pauvre chou. Complimenter la maison. Se plaindre du temps nuageux. C'est pas grave Je sais qu'il y a deux garçons, mais je pense qu'ils sont au lycée, là. Ils sont un peu jeunes. Oh, non. À un moment donné, il faut quand même des mâles de qualité pour mes femelles, hein. Moi, je prends pas le premier qui passe, hein. Ouais, bah non. T'as pas l'air très très jojo. Romain Housse. Après, tout ça, ça peut être des descendants de vos Sims que j'avais installés il y a un moment, hein, au tout début du challenge et tout ça. Hein. Et, mais j'en ai toujours ajouté de temps en temps, donc ça peut être vos Sims ou des descendants. Ou Mais il est vieux, lui. Déjà, on va vérifier si ton mec, il est encore célibataire. Aucun conjoint. Jeune adulte, 21 sur 24. Mais il est grave vieux! Mais c'est pas possible, ça! Et je l'ai pas... Ça fait pas autant de temps, tu me les as partagés, ils étaient vieux, hein. Et là, il va devenir adulte, c'est pas possible, hein. Ils sont beaux, je les aime. Non, mais grave, elle a un style, hein. Elle a un style. C'était une de mes héritières de mon legacy qui s'appelait Nienor. Tu vois, il est adorable. On a hâte de rencontrer ton chéri. Je sais que je peux le rajeunir, mais quand même, hein. Arrête de me partager des vieux, Marie, ça va plus, là. Attendez, commande du Sims. Merci beaucoup, Tatou. Dommage, tu n'as pas installé mon Sims. T'es sûr? Tu l'as partagé quand? Faudrait que... Anniversaire. Voilà. Ah bah oui. Donc attends, on va recommencer. Code de triche. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Commande du Sims. Anniversaire. Jeune adulte. Voilà. Il est de nouveau tout jeune. Il devait avoir vu déjà. J'ai pas fait attention. Ouais, ouais. Voilà, il a rajeuni, là. Il a eu un coup de jeune. Regarde. Puis il a les yeux marrons. Hein, les yeux marrons. Marie, pas sur les yeux marrons, vous avez remarqué ou pas? Elle me partage ses Sims, ils ont tous ses yeux marrons. Et ça pourrit tous mes Sims, c'est vrai. Non, mais je sais que t'as pas fait gaffe, ça arrive. Du coup, elle est à 16 sur 24. Allez, je vais la rajeunir aussi. Désolée pour ce petit contretemps, les enfants. Hop, je vais la mettre à dos, tant pis. Ah bah là... Elle aura perdu un trait, c'est pas grave. C'est comme ça que ça fonctionne, le MC Command Center. Et voilà, elle a rajeuni. Elle est un peu plus jeune que son frère, quelques minutes de moins. C'est censé être sa mère? Sa mère qui était plus jeune qu'elle, que lui. Tu l'as peut-être pas vu parce qu'elle est catégorisée avec des CC. Ah, d'accord. Et moi, Shirley, ton live va durer encore combien de temps, te demande mon chéri. Attends, ça dépend combien de temps on est. On a 1h20. Peut-être là. Là, on est qu'à midi. Ouais, peut-être à la fin du lundi. Parce que de toute façon, maintenant, on a notre héritière. Donc voilà. On va essayer de caser perles. Et puis après, ce sera bien, quoi. Bon, bah du coup, on a fait connaissance avec Meriadoc Brandebook. On va aller caser perles. On va aller voir tout ce qui traîne. Non, c'est une madame. On va aller au café. Allez, on va aller au café. Vous voyez, il est tout seul. Faut la caser. Non, c'est la mère qui... Ah d'accord, il est pas moche, Sims. Non, mais bon, il sera pour Mini, hein, s'il se casse pas entre-temps avec quelqu'un d'autre. Re, Quentin. On va finir à la fin de la journée du lundi, là, et puis ce sera bien. Je pense que ce sera pas mal.
L'essentiel aujourd'hui, c'était d'avoir l'héritière. Maintenant qu'on sait qui est l'héritière, nous pouvons passer à autre chose. Sans que les filles sont en cours, donc voilà. Hein. On va essayer de trouver un beau mec pour Perlouse quand même. Non, il n'a pas un beau profil du tout. Hein. De loin, il était beau, mais en fait, il était loin d'être beau. Oh bah lui, il laisse tomber, hein! Qu'est-ce que c'est que ces mochetés? Alors les filles qui sont random, elles peuvent être mignonnes. Oh punaise, le look. Everdeen, mais oui, ça c'est une descendante d'un foyer que quelqu'un m'avait donné. Je pense que Hoover aussi, ça peut être qu'une descendante. Hein. Brooklyn Najafi. Alors ça, c'est peut-être moi qui ai installé ou récemment, Elle est belle. Hein. Elle est belle. Alors on pourrait caser Perle avec une fille, hein. Parce qu'elle a déjà eu une expérience avec une fille. Mais je veux qu'elle ait des bébés. Au moins un. Donc, faut que ce soit un garçon. À moins qu'on croise une fille avec un zizi, mais c'est déjà plus compliqué déjà. C'est quoi ces mochetés? C'est quoi ces mochetés? Sympa, le petit tableau. Y a personne qui est intéressant dans ce café dans le coin là? Un mec pour Perle! Un mec pour Perle! Comme ça, c'est fait. On n'y revient plus. Poil au fût. Parce que prochain live, ce sera Nuage qui deviendra jeune adulte, je pense. Donc, ben après, ce sera elle qu'il faudra caser, quoi. Oh la vache! Mais c'est quoi ces tons? C'est l'édron! Oh là là! Tiens, c'est un fils Drago! Ah, je crois qu'on l'avait déjà vu. Oh my god. Oh my god. Bon, les cheveux verts, c'est pas ce qui me dérange. Et la coupe de cheveux, elle se change, mais la tête, quand même, elle est pas terrible. Ah. Oh. Un barbu. Santiago Argento. Ouais, mais il est adulte. Il a déjà quatre enfants. Il est marié. Le MC Command Center, ça marche. C'est cool pour ça. On sait tout de suite à quoi s'attendre. Tu sais, ils peuvent pas nous mentir, les Sims, genre, oh, je suis célibataire! Ben non, en fait, je vois bien que t'as quatre gosses et que t'es marié, mec. Hé! Mais c'est quoi ce. Pff. Non, mais j'ai besoin de beaux gosses! On va pas y arriver! C'est triste, hein. Perle, tu vas pas avoir de mec tout de suite, hein. Je pense que ça attendra la semaine prochaine, hein. Je vais recruter du monde, les gens, mes abonnés vont me faire des beaux mecs, et je vais installer que des hommes. En fait, c'est vrai, plus j'instaure comme ça, j'aurai plein d'hommes dans mon jeu, et comme ça, eh ben, Nuage nous pondra que des filles. C'est de la technique, ça. C'est de la technique. Ah, Minnie a rencontré Winter. Mais Minnie, faut qu'on voit à quoi il ressemble Mickey, hein, parce qu'on l'avait rencontré, mais. Ouragan est encore petit. Alors, c'était pas toi qui avais rencontré Mickey? Ouragan. Ouragan Grisou. Ouais, il faut voir, maintenant que c'est l'héritière, faut pas déconner, hein. C'était pas. Y avait pas un. On n'avait pas rencontré Mickey? Bah, il est passé où Mickey? Ah, ils sont rentrés de l'école. Bon, c'est que des laidrons, on est d'accord? Ah bon, allez, on rentre à la maison. On va pas parler plus que ça, on va pas parler aux laidrons, hein, ça va les embellir. Hein. Non mais. Tac, tac, tac. Go, go, go. Gadget au gogo. Un BG pour Perle, c'est ça. Beau de loin, mais loin d'être beau. Et Kiki Brooklyn, grave. Bah ben oui, il est pas moche. Ben, regardez dans mon ami 3. D'accord, mais je le ferai en dehors des lives. J'ai partagé mon silver, mais dommage, il a des CC. Mais je regarderai. J'activerai les CC exprès. Ah oui, c'est vrai, il faut payer les factures. Bah tiens, tu vas payer les factures. Alors, comment vont les meufs? Écoute, tu peux faire ce que tu veux. Hop, hein, toi aussi. Personne n'a envie d'aller faire du sport. Ça sent chelou là chez moi. C'est quelqu'un qui a dû faire à bouffer que ça pue. Pour changer. Et elle n'est pas rentrée du boulot? Elle va pas tarder. Alors, Perloute, est-ce que tu peux faire. Tu peux discuter avec des gens en ligne? Web.
plus de choix. Réseau social, foyer, carrière. Ouais. Non, mais on fera ça la semaine prochaine. Je vais installer un tas de beaux mecs. Salut, MacArthur! Ah, c'est le copain d'Elio! C'est bien bienvenu! Écoute, ça fait plaisir! Je vais me faire une quiche ce soir, j'ai oublié. Oh ouais, une bonne quiche. Tu vas me donner envie. Oh, elle a eu une promotion, Nathalie! Est-ce qu'on va en administration ou en enseignement? Sachant que de toute façon, c'est une vieille peau, hein. Eh ben écoute, merci beaucoup, MacArthur, pour le follow et bienvenue à toi, du coup. Est-ce qu'on va dans l'enseignement à 72 sim plus de l'heure? Mais de toute façon, elle va bientôt prendre sa retraite. Donc, c'est pas très très grave. Ou en administration 100 sim plus de l'heure? Je pense que c'est mieux quand même le 100 sim plus de l'heure, non? On est d'accord? L'administration, la vieille aigrie de la compta. Admin, hein? On est d'accord, hein? On est d'accord, on va pas en admin. Ah! Oh, on a reçu 1000 simflouz en plus. Interaction, examiner des propositions budgétaires, demander un don, préparer l'ordre du jour pour une réunion de la faculté et rédiger des demandes de bourse. Ça fait beaucoup. Mais elle gère, hein, la vieille, là. J'ai une question, Nathalie. Pourquoi t'as mis... La robe de chambre du Lord and Lady Challenge. Là, je ne sais pas, j'ai pas compris. C'est ta tenue de travail? Parce que moi, je t'ai pas mis ça comme fringue. Hein. Il y a un problème quelque part. Moi, je lui ai pas mis ça comme fringue. Je vous le dis tout de suite. Non, non, non. J'ai quand même un peu de respect. Ah, bon, elle m'a souvent saoulée, mais quand même. En plus, on dirait qu'elle est en cloque. Tellement elle a du ventre. Bon, elle a toujours eu du ventre, hein, mais. Voilà quoi. Mais non, mais tu vas prendre à manger. Qu'est-ce que tu vas faire à griller quelque chose? Oh la vache! Ah ben, vas-y ma belle, t'as raison. Mets-toi au sport. Niveau 6 de fitness pour la petite notre héritière, hein, nuage. Remerciez-le, car sans lui, je serais pas là. Oh, vous êtes trop mignon! C'est quand même. La belle fille d'un ex-président, la natte, robe dégueulasse. C'est une robe de chambre de l'ancien temps. Mais je ne comprends pas pourquoi elle l'avait. Vas-y, la musique va plus fort aussi pendant qu'on y est, pendant que je te parle. Moyen, voilà. On va mettre du moyen, c'est très bien. Tu peux aussi parler avec ton homme, hein? Et? Ils sont mariés ou pas? Je me souviens plus s'ils sont mariés. Je crois que je les ai jamais mariés. Putain, ils sont pas mariés! Les ai jamais mariés. J'ai complètement zappé de les marier, ceux-là. Les trucs complètement impromptus. Allez! Hein? Le genou à terre dans la salle à manger! Maintenant qu'on est vieux et bientôt retraités! Allez, vous pouvez vous marier tout de suite, hein, parce que c'est pas grave, hein, on va pas faire de cérémonie à leur âge quand même. Bon, c'était. En fait, Pulko, il a fait pareil que son père. Ils se sont mariés. Son père s'est marié en étant vieux. Mais il a voulu refaire la même chose un petit peu. Avec la musique. Putain, c'est complètement n'importe quoi. Oh mon Pulko! Quel beau mec. Il a dit thanks God? What? Et là, elle dit non. Quand même, hein. Ça fait quelques années qu'ils vivent ensemble, tout ça. Trois belles filles. Il voulait être sûr que ce soit la bonne. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai que son père, il a cherché partout, hein, savoir qui était le ou la bonne. Finalement, ça a été la mère de son fils. Celle qui a pourri la lignée avec ses yeux marrons. La meuf qui remet toujours sur le tapis la même chose. Mais j'aime bien! Oh!
Oh, c'est beau! Ils se sont cassés le dos tous les deux en même temps. C'était magnifique. Pulco et Nathalie embrassent tous les deux quelqu'un pour la première fois. Bah merde, ils ont fait comment, trois enfants? Ah, jamais sans la bouche alors. Ils ont fait trois enfants sans la bouche. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. C'est tout va bien, tout est normal. Ils vont faire crac-crac aussi pour la première fois, hein? Allez. Oh, il est 18h30. Les vieux, ils sont déjà couchés à cette heure-là. Tes potes, tu sais que c'est trop tard, Mini, hein, t'es plus obligé. Alors toi, tu peux aller aux toilettes. Et tu vas faire tes devoirs. Je m'occupe de ton éducation, ma petite nuège. Bon, elle est mignonne, Perle, hein, j'avoue. Elle est mignonnette quand même, la Perlette. Mais... Et voilà, elle pleure parce que... j'ai perdu! J'ai perdu la compète! Mais on voulait pas que tu gagnes, en fait. C'est ça qui est pire, c'est que... On voulait pas que tu gagnes. Et notre femme de ménage, elle est pas passée. Il se passe quoi dans cette baraque? Attends, tu vas appeler toi parce que Pulco, il a... Acheter un service de domestique. On est d'accord. Plus qu'une Nathalie qui embrasse quelqu'un. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Désolée pour ça. C'est l'heure du brodo. Ce jeu n'a aucune mémoire. Mais c'est n'importe quoi. On est d'accord, quoi. Bah, on n'a pas eu le crac-crac pour la première fois? Non, c'est bon. Par contre, ils avaient déjà baisé. Mais ils s'étaient jamais embrassés. Hein. Non, non. Jamais. Nous, la bouche! Non, nous, c'était direct. Oh, c'est horrible. Donc, la femme de ménage? Tu l'as appelée, la femme de ménage? Comment ça se passe? J'ai pas suivi. Ah ouais, non, mais c'est bon. On avait une... Non, mais... On avait une femme de ménage. C'est vrai qu'on l'a pas vue passer. Sachant qu'elle vient pas le week-end, mais là, on était lundi, je l'ai pas vue. Ok, tout va bien. Tu vas aller manger, toi? Toi, tu vas aller manger aussi, tu vas faire tes copies. Corriger les copies. Et Minette, elle fait du sport. Minette, tu pues. Va te laver. Va te laver, après tu vas faire tes devoirs. Oui, non, mais c'est bien. Regardez-moi, comment elle est devenue fine! Par contre, elle a toujours un bon petit fessier et des bons petits boobs, hein, ça. Voilà. Logique bébé, on n'oublie pas, ça c'est important. Oui, d'accord. Oui, grâce à la rediffusion, Elios parle beaucoup trop d'élèves de Shirley, j'en peux plus. D'accord, tout va bien. Minen, c'est le nom de mon doudou. J'avoue, ça doit faire bizarre, Marie, hein, que quelqu'un sache ton prénom sans que toi tu le connaisses la personne, ça doit faire chelou quand même. Oh, et on t'a vu! Nuage! On a vu! Tu nous as fait un beau nuage vert d'ailleurs, ça c'est clair. Bon. Voilà, quoi, hein. Ça se termine tranquillement, mais sûrement. Tout le monde vient travailler. T'as fini tes interactions amicales? Oui, c'est bien. Bon, tant mieux. Ça, elle ira travailler 8h-16h. C'est bien. Tu pourrais te prendre une petite douche, comme ça t'auras pas à faire ça. Voilà. Ça, il fait de la pub pour Shirley, c'est bien. Ouais, on va dire ça. Moi, ça me va si vous me faites de la pub. Hein. Tant que vous m'en faites de la bonne publicité. Elle corrige vraiment, j'avais même fait gaffe qu'elle faisait des croix et tout. Je t'ai entendu, toi! Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Bah écoute, si tu veux, va courir pour te vider l'esprit. Si t'es pas si fatigué, là, 21h en même temps, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait déjà nuit à 21h, mais. Pulco, lui, il dort. Hein. Non, mais vas-y, réveille-toi, Pulcote. Tu vas manger un petit peu? Elle se plaint là. Oh ouais, attends, il n'y a pas assez de trucs. Ah, lui, il était pas mal. Lui, il était pas trop mal. Ouais, mais il est ado.
Je pose pour Perle, hein, évidemment. Il est adolescent. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous avez parti courir. Qui est quoi? Mais c'est le même que la dernière fois! C'est Jésus! Ah! 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 Oh mon Dieu! Mais c'est quoi ce jeu? Il y a des gens bizarres dans ce quartier! On va déménager! Mais il était déjà venu, je me souviens, avec son pull, mais on n'avait pas vu ses dents comme ça. Ah, punaise! Je vais bouffer ton âme! Oh, quelle horreur! Non, merci, monsieur, vous pouvez partir, Jérôme Garnier. Vas-y, go away, dégage. Vas-y, tu fais peur. Oh! Oh, je sais pas de qui il vient, lui! J'aurais dû regarder sur MC Command Center, mais tant pis. Creepy. Ça va être facile, il fait tout ce que je lui demande sans broncher, c'est pratique. Attends, quoi? Il faut en faire quand je verrai monsieur, j'essaierai de l'initier à ta chaîne. Oh là là! Bah en plus, il est déjà venu! Il est déjà venu voir un live. C'est quoi ça? On va lui rien sans dire que c'est toi et voilà que s'il te reconnaît. C'est Jésus de l'enfer, c'est ça? C'est la version infernale du Jésus. Bon, vous avez fini de faire vos blabla, là, parce que bon. On va faire après, on va finir le live tranquillement. Non, fais pas la vaisselle. Tu peux danser si tu veux. C'est incroyable, ils prennent l'assiette là, il faut toujours qu'ils la posent sur une table basse. Limite, j'ai foutu une table basse là, hein. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'ils la poseraient dans la cuisine. Ce jeu. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bon bah, va manger, va pisser, je sais pas. Ah oui, bah c'est ça, t'as perdu, hein, ma cocotte. Fallait pas poser le ballon, hein. Si t'avais pas posé le ballon, t'aurais pu avoir une chance de gagner autrement. Peut-être que j'aurais fait un vote classique. Si t'avais gagné la dernière partie, mais tant pis. T'es trop nul, qu'est-ce que je te dise. C'est bon? Tu cours? Elle court et court, l'héritière, à travers Windenburg. Voilà, elle a le contrôle des émotions, on est content. Tu vas pouvoir te doucher. Non, mieux. Chanter sous la douche. Et Perle arrive au niveau 6. Et après, tu iras te pieuter, ma belle. Perle arrive au niveau 6. Ah bah. Pile quand je viens sur elle, elle fait quoi? Elle largue une caisse. Oh mon Dieu, elle a vu sa sœur toute nue. Ah, oh, scandale. Ça va, vous êtes toutes gaulées pareil. Je vous ai vu toute nue, moi aussi. Hein. J'ai pas été choquée. Hein. Bah non, pas toute. Je n'ai pas de mode qui permette de voir les Sims tout nus. Donc, mais quand je les ai relookées, j'ai bien dû les déshabiller, hein, comme les petites poupées. Et tu finis tes trucs, toi? C'est infini ton machin! Va falloir que tu manges et tout là! Tais-toi, Pulco, va pisser, Pulco! Il est encore là, encore dans... pendant quelques temps, Pulcote! C'est horrible, on dirait ma cousine! C'est pas sympa! Il est trop moche, le gars! J'étais partie de puissance 4 avec mon père pour savoir qui ferait la vaisselle. Oh, génial, Elisa! Et alors, c'est lui qui a perdu? Qui est devenue héritière? Ah, tu ne sais pas qui est l'héritière! À ton avis, est-ce que tu as une idée? Parce que les trois, elles sont parties dormir. En tout cas, ça y est, on y est, on a l'héritière. Ah, mais Sweetson, elle balance. Oh, bah ouais, c'est Nuage qui a gagné. Nuage a gagné 2 compètes, 2 épreuves sur 3. Et tout le monde est déçu parce que tout le monde préférait Mini. Ouais, mais bon.
Bon, il est bugué ton truc ou quoi? Allez, vas-y, c'est bon. Va manger, va pisser, va dormir. Pulco, arrête d'emmerder ta femme, va manger et va dormir. Non, il est flingué son truc. Tout est bugué aujourd'hui dans le jeu ou quoi? C'est bientôt anniversaire de nuage! Faut que tu manges aussi, hein, vieille peau. Je suis toujours sympa avec les Sims. Manger! C'est incroyable. Ils écoutent pas ce qu'on dit. Hein. C'est pire que des chats. Hein. Pulco, tu peux aller dormir. Ah non, fais pas la vaisselle, ça suffit. Hop, il va la mettre sur la table basse, on a compris. Voilà. Ok, très bien. Va te casse-toi. Après, t'iras dormir, la vieille. Ah, Vioc! Ça va, mon bébé. Nathalie! Non, tu vas rien nettoyer. Tu finis de manger. Va dormir! Vieille peau! De l'amour, de la bienveillance. Voilà, nous allons terminer ici pour aujourd'hui. Alors, hop, je mets sur pause. J'enregistre parce que même si ça reprend en mode lecture. Et je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici pour cet épisode. Donc ça y est, nous savons qui est l'héritière. C'est officiel, c'est Nuage. Et on continuera eh bien, à faire son aspiration et tout ça. Et son destin de vie dès la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao.